Season 2 is here! Merci beaucoup tout le monde de nous suivre et continuer s'il vous plaît. Shirley? Oui? Es-tu prête? Oui, je suis prête parce que les autres sont prêts. Bye! C'est fait que t'as pris un an off. Là, j'ai pris un an et quelques mois off. Puis là, je savais que fallait que je change quelque chose, mais c'était pas clair quoi. Non, mais qu'est-ce que tu fais après que t'es un docteur? Ben, tu vas-tu forestière? C'est ça, je me remettais en question. Là, j'étais comme, là, ça me tentait pas de retourner aux études. J'avais, de toute façon... J'avais plus le cerveau, là. Ça a pris du temps, même j'ai encore de récupérer de ça. Oui, comme trop de mental, là. Je peux plus, là. Tu sais, ça a été sursaturé. Ben, peut-être qu'éventuellement, ça reviendra, là. C'est de mieux en mieux, là. Oui. Mais, comme. Ouais, écœurantite. Je pouvais plus. Quand j'ai eu mon papier d'arrêt, là. Ouais. Ça a séché les dents, là. C'est comme, tu sais, quand tu tiens, là, puis là, ça lâche, là. Comme, des fois, ils appellent ça le syndrome du poteau pour quelqu'un qui prend soin d'une personne en fin de vie, là, ou de quelqu'un qui est super malade. Puis là, l'autre se rétablit, puis là, l'autre crash. Pouf! Ouais. Parce que là, tu te maintiens sur l'adrénaline tout le long, puis là, ton corps, c'est OK, là, je peux enfin lâcher, là, mais là, t'as tout vidé ta batterie, là, tu sens que t'as plus d'énergie, là. Fait que, puis moi, j'ai de nature le pied pesant. Je me haine pour m'en venir, là, juste ici, là. Ouais, très, trop. Je pouvais même pas ramener le speed, c'était trop vite. Ah! J'ai été un mois, là, je pouvais même pas conduire, ça allait trop vite pour ma capacité. C'était comme une anxiété? Non, c'était... Ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Mon cerveau... Non, mais ça va être la nausée, genre, tu te fais... Comment faut que... C'était comme... Mon cerveau savait qu'il pouvait pas couper avec... La vitesse. Toutes ces stimulus-là. Hey, ça, c'est rendu quand elle venait, là. J'étais un mois sur le sofa, puis la seule affaire que je pouvais faire, c'était écouter des vidéos, puis encore. Fallait pas que ça soit trop d'informations. C'était de quoi de genre brain, fuite, là. J'ai une question pour toi. Ouais. T'avais-tu ton chum dans ce temps-là? C'était pas mon chum actuel. Ben, je veux dire, t'avais-tu du support? Comme, évidemment, le monde, elle te laissait pas diminuer, comme... Ouais, j'en avais, mais... C'était, comment je te dirais ça? J'en avais dans un certain sens, puis dans un autre sens, ça aidait pas, de, c'est sûr. Émotionnellement, puis... Steph est bonne, Steph a pu handle ça. C'est ça, puis en plus, je démontrais ça, parce que je sentais que quand il était inquiet, ça, c'est comme dans leurs yeux, il me voyait tellement malade que ça me tentait pas de... Ça me tentait pas d'avoir de la pitié ou des voix me voir malade parce que ça, on dirait que ça m'enlevait ma propre espoir. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, mais il voyait-tu ça venir un peu d'avance? Y a-tu eu des avertissements? Y a-tu quelqu'un qui t'a dit, Steph, à part celle-là, qui t'a dit tu te laissais-tu aller? Mais ça, c'est le dernier épisode, mais dans ce temps-là. C'est quelqu'un qui te disait, t'es pas comme, me semble, t'as plus autant d'énergie, t'as plus. Ben, elle devait pas te démontrer, là. C'est mix. Ben, le monde se rendait compte que j'étais de plus en plus sérieuse, plus en plus blasée, de plus en plus... Déconnectée? Pas déconnectée, mais tu sais, comme ça vient, là, comme moi, pour choisir mon linge le matin, je vais vous donner un exemple vraiment, simple, banal, là. Moi, pour choisir mon linge, j'ai tout le temps, tu sais, de l'inspiration, c'est quoi, j'ai le goût, tu sais. Mais là, ça, c'était tellement gelé, là, que je pouvais même plus choisir mon linge le matin. Fait que là, fallait que je me dise, OK, bon, il va faire quelle température, je fais quoi aujourd'hui. Fallait que je trouve un autre processus pour choisir du linge, parce que je pouvais plus choisir mon linge, je savais pas que j'avais le goût de mettre. Hey. Wow. C'était comme rendu à ce point-là, là. Prendre des décisions, là, c'était... Parce que j'avais plus de... Je savais plus c'est quoi j'avais le goût. Tu sais, j'étais complètement déconnectée. De toi-même? De moi-même. Tu sais, quelqu'un, qu'est-ce que t'as le goût, je sais pas. OK. J'avais plus de goût. Fait que là, à ce moment-là, t'avais une relation, t'as pris ton congé d'un an. Fait que là, tu disais que t'étais un mois sur le divan, mais ça a-tu remonté? Après, comment tu t'es rendu à où ce que t'es aujourd'hui, tu sais? Ça recommençait à remonter. Tu sais, ça fait tout le temps un processus de même, là.
ça fait tout le temps des vagues comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est normal. Puis ça, c'est juste, faut avoir le recul pour voir que... Je suis d'un pic, je suis d'une vallée. C'est ça, mais ça finit tout le temps par monter, là, tu sais. Quand tu t'enlignes okay. vers l'amélioration, là, okay. tu sais. Fait que là, ça faisait ça, mais... Qu'est-ce que je me jouais des tours? C'était mon will. Aussitôt que je recommençais à avoir un petit peu d'énergie. Ah ben là, je n'ai l'énergie, là. Je retournerais travailler, là, parce que, tu sais... Même si t'avais pas fini ton un an de congé. Non, je l'avais fini. Tu l'avais fini. Mais, tu sais, comme j'étais rendue là à un an et que... Fait que là, mais je sentais que j'étais pas revenue, mais là, j'ai de l'énergie, je peux pas, tu sais, faut genre travailler, tu sais. Ouais. Fait que là, la première fois, ça a été ça. Puis là, j'ai retourné en sachant que j'ai pas retourné pleine capacité, là. J'étais un qu'aux trois quarts de bureau, puis j'avais de la misère à faire ça. Ouais. J'avais pas l'urgence, j'avais pas l'hospice, j'avais pas les cliniques externes, j'avais pas le manoir, j'avais juste mon petit bureau trois quarts de semaine, puis j'étais déjà saturée. Fait que je savais que je voulais changer, mais je savais pas en quoi. Fait que ça m'a comme pris l'année pour me décider de... Puis j'étais en hésitation aussi, parce que je savais que j'allais laisser les patients sans médecin de famille. Je savais que j'allais laisser mes collègues avec plus de surcharge. Fait que là, ta tête, tu lâchais, là. Je voulais lâcher, puis il y avait les... La culpabilité. Lâcher la médecine. Ouais. Ben, pas la médecine de la médecine. Je voulais lâcher le système de santé. Système de santé. OK. Fait que, parce que j'aime la santé, j'aime la médecine, oui. mais pas ce contexte-là. Oui. Puis, bien que ça allait être des bienfaits. Oui, mais c'est pas mais, aligné mais, avec ta force à toi. C'est ça, exactement. Fait que, là, c'est ça, finalement, j'ai décidé de cliquer pour un cours de naturopathie à distance que j'ai pas encore terminé parce que j'ai eu d'autres arrêts, mais je pouvais pratiquer comme naturopathe vu que j'étais déjà médecin. Naturothérapeute, excuse. Okay. Pas naturopathe, naturothérapeute parce que j'avais déjà des cours de médecine puis d'autres cours alternatifs. Ouais. Puis, fait que là, j'ai commencé à faire des consultations parce qu'au Nouveau-Brunswick, t'as pas le droit de travailler au privé comme au Québec. C'est si un service qui est offert par le service public, c'est illégal de le pratiquer au privé. Okay. Fait que là, en étant comme en médecine holistique, counseling, santé, ben tu sais, là, c'était comme pas offert sous cette forme-là dans le système public. Fait que j'ai voulu m'orienter là-dedans. Mais... je pense après un an, ouais, j'avais recommencé à me sentir fatiguée. Puis en même temps, il y a eu le COVID, fait que ça a comme fait une pierre deux coups. Fait que c'est récent, ça, là. Ben, trois ans passés. C'est ça. Fait que là, j'ai arrêté un an et demi. J'avais eu encore une drop. Fait que là, je continuais comme... la libération émotionnelle, de voir c'est quoi ce qui me bloquait, qu'est-ce qui faisait que j'étais pas bien, que j'étais pas moi-même, ouais. que je pouvais pas sentir, qu'est-ce que... Ouais. Tu sais. Mais tout ce temps-là, j'avais des bonnes périodes et tout, là. Oui. Ça fait ça, là. Mais juste pour que le monde comprenne, comme quand t'as commencé à pratiquer la médecine holistique, ouais. pendant un an, tu trouvais-tu que c'était plus connecté puis représenté? À moi-même. Excusez-moi, mais c'est quoi de la médecine holistique? C'est une bonne question. C'est vrai, je prends pour acquis. Voilà. C'est mon pain puis mon beurre. Ben dans le fond, c'est de voir la personne comme un tout au lieu d'y aller par symptômes ou par problèmes. Mais okay. Dans le fond, juste si je peux faire une parenthèse, ouais. D'habitude, quand tu vas dans le système de santé médicale ordinaire, on va te demander c'est quoi tes symptômes, où c'est mal, si ça fait combien de temps, bla, si c'est la pilule. Elle va regarder c'est quoi ton style de vie, c'est quoi ton alimentation, toute ta personne, c'est quoi ton niveau de stress, c'est comme pour évaluer puis vraiment trouver une solution qui comprend tout, pas juste comme ton mal de, pas juste ta toux, pas juste ton, oui. t'sais, ton brûlure d'estomac, on donne du gascon. Ok, je comprends. C'est parce que ma vision actuelle de la santé, c'est que quand t'es bien, t'es en alignement, t'es bien avec toi-même, tu t'aimes, puis t'aimes ce que tu pratiques, ce que tu dis, puis ce que tu vis, c'est la même affaire. Mm-hmm. Tes babines suivent tes bottines. Ouh! Que
que genre tes valeurs, qu'est-ce qui est important bon, pour toi? C'est le temps que tu me donnes un Kleenex ou pas? Ah, bon, ben, wow. quand tu vis en alignement avec ce que t'es et tes valeurs profondes, ben, tu sais, il n'y a pas grand raison, puis t'as enlevé tous les programmes limitants ou les traumas que t'as vécu du passé. Moi, j'aime pas mon physique, pas moi. J'ai de l'acné beaucoup, puis je veux pas rendre un sujet à soi. C'est un exemple parfait, comme quand des fois, parce que ma peau, elle est belle, l'acné me contrôle. C'est ce que je veux dire. Quand j'ai pas d'acné, je peux faire... N'importe quoi. Je suis comme, pas arrêtez-moi pas, puis si j'ai de l'acné, je sors pas de la maison, puis je veux pas voir personne, parce que le monde aime moins tellement... Je travaille dans les cosmétiques. Puis le monde aime mettre tellement sur un piédestal avec la beauté, tu sais ce que je veux dire, avec... Parce que je représente ça, si tu veux, puis le monde aime avoir des conseils pour ça, puis ça, pour on dirait que pour moi, j'ai pas le droit d'être lit. J'ai pas le droit d'avoir de l'acné, j'ai pas le droit d'avoir des cicatrices, je t'avais dans les règles, tout le monde! Non, mais je veux dire, je trouve que ça c'est juste quand elle m'a eu, quand elle dit si tu t'aimes pas, comme ouais. Les babines suivent, comme les babines shake, tu mais ok, on continue. Non, mais c'est un bon exemple, c'est un merveilleux exemple. Ouais. Comme exemple, le fait que tu dises que l'acné te contrôle, c'est ça, c'est que tu lui donnes ce pouvoir-là. Puis, ça serait, oui, on checkerait l'alimentation, les habitudes de vie, c'est pas stressé et tout, mais on irait voir d'où ça part, ça. Pour te permettre de libérer ça, puis de t'accepter comme que t'es. Parce que le stress est pas la même. Mais je veux continuer avec Steph, je veux pas, non, mais je trouve tellement que ça faisait un beau lien, je peux-tu juste le mentionner, comme je sais pas si t'aimes ça les connexions et tout. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, toi, tantôt, tu parlais que ça faisait comme ça, t'avais des bonnes phases, des moins bonnes phases, mais toi, ça se manifestait par ton niveau d'énergie, ok? Puis c'est frustrant quand t'as pas l'énergie de faire ce que tu veux. Mais toi, ça se manifeste tes hauts et tes bas avec de quoi d'externe, tu sais, fait comme... C'est autant frustrant, puis le monde minimise ça parce que c'est de l'apparence physique, mais ils comprennent pas la connexion émotionnelle qui vient avec, comment est-ce que ça peut affecter quelqu'un, tu sais, elle est pas brailleuse, elle, là. Non. Fait que tu viens de la chercher, puis tout ça, puis de t'aimer, ouais, je pense. Mais elle avait un mot, son point... C'est juste pour dire que ça, pour moi, c'est de la médecine. Ouais! Parce qu'il y en a plein qui peuvent guérir les corps, puis justement, ben dans le fond, on guérit pas, on traite. Mais de la guérison, c'est... Ah, puis je l'ai dit, la seule affaire qui se guérit, c'est les cellules des humains. T'as dit qu'on est là-dedans, dans le bon environnement. T'as dit qu'on est là-dedans, tout ça, puis là, comme quand tu... Hey, moi, j'ai envie de t'en mettre mes mots. Vas-y! OK, mais je dis, tu sais, ça vient que là, tu dis, OK, c'est OK, je suis inflammée, là. J'ai-tu mangé des produits laitiers à plein dernièrement? J'ai-tu mangé du chocolat, les sucres, ils méritent la peau? Ça vient que, au niveau alimentaire et tout, là, tu sais plus... Puis là, tu veux vivre, là, tout ça. Là, une pression. Oui, oui. Là, j'ai du vin, j'ai plus bu, puis là, les sucres. Puis là, tu sais, à ce point-là, là, ça peut... N'importe qui, on relie à... Allô? Hey, je me sais! 40 ans, je l'ai pas vu, je vais en parler un an. Fait que c'est ça, c'est juste pour dire que c'est beau que ce que tu fais. Fait que là, on a expliqué la médecine holistique. Puis, je trouve que, justement, tout s'en va vers là, Puis, qu'est-ce que tu disais, c'est ça, c'est que le corps, là, il a la capacité de guérir. Il se guérit tous les jours. Il se guérit tous les jours. Tu fais un bobo, puis ça guérit. À tous les jours, il y a des bactéries, il gère les bactéries. On est induit de bactéries in and out. Ben oui. Puis, exemple, ton lining de ton estomac, il se change à combien de mois? Toutes les cellules sont... Je m'en rappelle pas par... Je pense qu'au 6 mois, tu as toutes des nouvelles cellules. Fait qu'il se détruit et il se guérit tout le temps. C'est une manufacture. C'est ça. Puis c'est ça son travail naturel. Fait que pour lui, c'est rien. Mais quand que nous, on se met contre nous-mêmes, puis qu'on se blesse, puis on s'impose des choses qui n'est pas en alignement avec nous, ben là, ça l'empêche le corps de pouvoir s'autogérer, tu sais. De s'auto-guérir. Juste pour faire une parenthèse et tout, là, c'est parce que j'avais pogné un documentaire qui était vraiment intéressant. C'est qu'avant les médecines, si tu penses dans le temps à Socrate et tout ça, premièrement, c'était pas lui qui avait dit c'est toi ton meilleur médecin. Okay. Mais l'autre affaire, c'était qu'avant la médecine était holistique. Il checkait toutes tes habitudes de vie, ton style de vie, tout ça. À un moment donné, les relations. Le côté spirituel aussi.
ta relation avec la spiritualité. Puis à un moment donné, l'Église catholique a dit, ou whatever, a dit, ben, ce qui est à l'esprit nous appartient, ce qui est au corps vous appartient, puis il y a eu une séparure à ce moment-là. Mm-hmm. Ah, ouais. Ouais, mais avant, les médecins, la sagesse était vraiment comment tu vis, tout. C'est ça. Hmm. Ben, tout. Les autochtones, c'est comme ça. Mm-hmm. Toutes les peuples ancestrales, ça a tout le temps été ça. C'est juste les dernières, je sais pas combien d'années, là, mais c'est juste les dernières années depuis l'industrialisation que ça a été fait. Oui, puis on devient comme un peu, c'est ça, faut comme pas avoir d'émotion, faut être productif, fait que c'est tout le temps l'efficacité et la productivité qui est mise d'avant. Fait que c'est comme si on est poussé à devenir des genres de robots, là, tu sais. Ouais. Tout est robotique à cette heure. En plus, on a le choix de pas suivre ça, puis qu'on le suit pareil. Tu sais, qu'on a le droit de décider de faire ce qu'on veut. C'est parce que... Mais des fois, c'est que tu nais... Ça vient à l'argent. Ben, l'argent est un facteur, mais plus profond que ça, c'est que quand tu nais, tu viens au monde, de 0 à 7 ans, ton cerveau, là, il est en mode absorption. T'as pas de pensée, tu fais juste absorber ton mode, ton cerveau, ton t'as mode pas une pensée tétan. Critique de dire, moi, je suis d'accord avec ça, ou pas d'accord. Tu fais juste downloader. C'est comme si t'atterris dans un jeu vidéo, là, pis là, tu download, c'est quoi, la game du moment. Okay? La société. La société, ma famille, comment qu'elle fonctionne. C'est ça. Fait, ce que tu vis de 0 à 7 ans, là, ça devient ta normale. Ça, c'est normal. Pour toi. Oui. Jusqu'à temps, ben ça veut pas dire que ça correspond à ton essence, là. Non, non, t'as juste... C'est ça, la normalité. T'as juste downloadé... Au niveau Pour moi, ma normale, c'est ça. Ma famille, le Nouveau-Brunswick, le Canada, ça, c'est normal. Jusqu'à temps que ta normale devienne tellement plus tolérable que là, tu te dis, ben voyons, il doit y avoir d'autres choses. Puis là, tu commences à comparer puis à voir qu'il y a d'autres affaires qui existent. Mmh. Puis jusqu'à temps que tu réalises que tous les attachements, ça vient de la cause qu'on s'est, justement, on s'est fait programmer de même de 0 à 7 ans. Et avec d'autres traumas qu'on a vécu par la suite. Fait que là, on se met des... Chaque fois qu'on vit un trauma... Ça fait une charge émotionnelle, ça fait un blocage, puis ça joue sur notre... On est des êtres énergétiques aussi, là, tu sais, on peut tout enregistrer. Ben, notre cœur a 4 batteries dedans, puis si tu la mesures, ça se mesure le champ électrique jusqu'à 5 pieds ou 5 mètres? Je mesure, il y a un champ électrique parce qu'on a électromagnétique, on a une batterie. Fait que vraiment? Tout le monde comprend que celle-là, ça a un champ électromagnétique quand ça pogne sur un Wi-Fi, ben ton cœur est comme ça et tout. Okay. Ben, tu projettes un signal électrique quand même. Le monde ne comprend pas ça, là. Mais, c'est électromagnétique. Puis l'autre affaire, c'est que si le monde peut avoir une image de c'est quoi et tout, un blocage, qu'est-ce que ça peut faire, c'est que si vous pensez, mettons, à utiliser tout le temps le même muscle d'une mauvaise manière, bien, vous pouvez faire un nœud musculaire, qu'il appelle, une contraction musculaire, puis le muscle reste jamais. Puis ça, tout le monde accepte ça comme la norme parce qu'ils peuvent le voir. Mais par en dedans, ce que ça fait, ça ressemble pas d'un nœud, mais ça ressemble à plein d'hormones de stress, de cortisone que ton corps produit, puis il va vraiment endommager tes organes comme toi et ton foie. C'est sûrement ça. La cortisone, puis tes glandes surrénales, en tout cas, tes reins, ils produisent gros de ça pendant que t'es stressé, puis ça magane le corps. Il y a même du monde, ils veulent pas prendre des pellules de cortisone parce qu'ils veulent pas se maganer les genoux, ils veulent pas se maganer les hanches, parce que ça défait les tissus. Puis ça, c'est une façon, puis même au niveau émotionnel, on a un corps émotionnel en tant que tel, que, exemple, t'as vécu un blocage à l'âge de 5 ans, pour dire de quoi, t'as vécu quelque chose. Un traumatisme. Ouais. Là, ça se peut que ton cerveau adulte dise, ben voyons, c'était rien là. Puis là, il fait comme néglige ça, puis il sous-estime l'importance de ça. Mais toi, quand tu l'as vécu à 5 ans, là, dans ta perception de l'enfant de 5 ans qui est tout ouvert, qui est tout hyper sensible, pour lui, ça y a créé un trauma. Même si à l'âge adulte, tu comprends pourquoi ça allait arriver, parce que ton père vivait ça. Puis mais ton cerveau l'a enregistré comme grave. Ton corps émotionnel, le cerveau, il a la mémoire de ça et tout, là. Mais ton corps émotionnel, il a enregistré ça, fait qu'il s'est mis un mécanisme de protection pour ne plus revivre cette souffrance-là. Ouais. Et ce mécanisme de protection-là,
il est relié avec des croyances mentales, des programmes mentaux. Fait que là, c'est de même qu'on se met des couches de protection comme ça. C'est de même des fois qu'on dit, je fais tout le temps la même affaire, puis je retombe tout le temps dans la même situation, puis je sais pas pourquoi je fais ça. Ben ça, c'est parce qu'on a un trauma pas réglé. Fait qu'on met le mécanisme de protection, mais le mécanisme de protection, il est là pour nous protéger. Mais il est aussi là pour que quand que ça recrée la situation pour nous permettre de la libérer, de la vivre, et de la libérer, de la vivre consciemment, puis pas se laisser réagir par l'émotion, mais c'est qu'on on la traverse consciemment. Non, mais tu vas J'ai dit, on va arriver là, mais on va juste aller parler. Mais comme, fait que toi, dans le fond, c'est-tu... Mais avec comme... un livre. Oh, absolument. C'est-tu comme ça que tu as commencé... Tu sais, as-tu commencé... avec la médecine holistique, à questionner par rapport à toi-même, puis vouloir te guérir toi-même de tes choses, puis là, vraiment, ça t'a inspiré à t'aligner dans les émotions. Question. Parce que vraiment, comme, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que le monde qui écoute, ça fait, je sais pas combien de temps, ça va faire 48 pour parler, minutes, suite, tu pratiques, tu fais comme, c'est quoi ton, je sais que tu fais des conférences, tu fais des retraites pour le monde, de la pleine conscience, de la méditation, pour que le monde connecte avec les intérieurs, c'est ça un peu, peux-tu? Ben, c'est que c'est pas encore clairement défini, puis tout de suite, je suis en congé de santé encore, parce que j'ai eu un autre épisode au début de l'hiver, ben pas au début de l'hiver, au début du printemps. Fait que là, c'est là que j'ai tout pris beaucoup de prise de conscience de qu'est-ce qui restait que j'étais encore à me créer des maladies là, tu sais, qu'est-ce qui restait à guérir dans moi. Puis oui, ça a commencé de même parce que la première fois que j'étais arrêtée là, j'avais tellement de souffrance intérieure, de frustration, d'irritation, comme je m'endurais pas moi-même. Il faut juste que je vous dise, comme, elle me dit ça, là, puis je t'aurais vu, je t'aurais pas reconnue. Parce que Steph, là, comme, de, mettons, DSS médecine, là, c'était tout le temps la fille, comme, on t'appelait Soleil, là, je t'appelais Sunshine. Oui, elle était tout le temps de bonne humeur, tu veux-tu un shake, tu veux-tu ci, c'était tout le temps qui organisait les parties, on s'avait fait du chinois homemade dans le fryer. Oh. Comme, Steph, je te dis, là, elle avait de l'énergie, tout le temps un smile, tout le temps prête à danser, on savait toutes les paroles, comme, c'est... Fait que je t'aurais vu comme ça, j'aurais dit c'est pas Steph. Ouais, c'est ça. J'étais. Ben, puis j'ai réussi à le maintenir avec certaines personnes. Tu sais, c'est ça, je l'ai. Puis c'était ça qui était. Que je m'imposais tout ça. Tu sais, quelqu'un qui est colérique, il pète ses couches. Oui, il est pas bien. Puis là, le monde autour le trouve ultra désagréable. Mm-hmm. Puis là, ça crée des conflits. Mais au moins, il accumule pas en dedans. Il est pas en train de s'auto détruire les organes. Tu sais, moi là, en plus, je me laissais pas parce que j'étais consciente que c'était pas de la faute de l'autre. Fait que je me laissais pas vivre extérieurement ma colère parce que je voulais pas blesser personne. Fait que là, comment tu fais ça, Astur, sortir de colère? Parce que, non, mais juste pour dire, parce que moi aussi... Je crache du feu. Mais c'est juste pour dire, parce que c'est quelque chose que je pense qu'on se laisse pas... C'est pas une émotion que souvent les gens vont trouver acceptable, la colère. Parce que les gens, ben t'as pas le dessus sur toi. Mais la colère, dans le fond, c'est juste une accumulation de petites frustrations. Fait qu'il y a-t-il des manières que toi, t'as, Astur? Ben, il y a... En tout cas, si je peux recommencer, c'est que la colère, c'est aussi une force positive. C'est tout le temps le top de l'iceberg de l'échelle des émotions. Quand le fond, là, c'est souvent comme de la honte, de l'humiliation, not enough, de l'insécurité profonde. Ça, c'est les émotions qui sont vraiment plus basses puis qui te gardent bas. Fait il y a deux façons d'émerger de tout ça. C'est que c'est soit que tu vas libérer consciemment la plus profonde des émotions, mais pour t'y rendre, il y a plein de chemins, puis ça dépend comment tu es fait, puis chaque personne... Des fois, tu n'es pas prêt à faire face à ce qui te fait honte. Exact. Fait que chaque personne, le processus se fait à la lumière de la personne qui le vit, tu sais. Okay. Puis ça va avec tes intérêts, puis comment toi tu perçois ton monde, puis comment toi tu perçois ta réalité, comment c'est structuré dans ton système nerveux. Qu'est-ce que tu es prêt à faire face à? Aussi. Fait que là, ça y va par couche. Des fois, ça va par couche de même, mais si tu peux aller, puis consciemment te faire guider jusqu'à c'est quoi les premières blessures que tu as vécues, ben là, ça se libère assez rapidement. Plus vite. Mais des fois,
on n'est pas prêt à lâcher, on n'est pas prêt à lâcher. Fait que là, on prend le pôle contraire, on monte en colère. Mais la colère, si c'est bien géré, c'est une force, c'est une grande force parce que c'est la... C'est la drive et tout. Moi, ça me fait une drive. Ouais, mm-hmm. Mais ce que j'ai... Ben oui, on l'utilise. Si on n'a pas d'autres moyens, la colère, ça te donne la propulsion de vouloir changer. Parce que la dernière fois que j'ai dit « OK, that's it, le char », c'est parce que j'avais demandé de l'aide, parce que j'étais surchargée avec tous les patients que j'avais. Ça faisait je sais pas combien de fois qu'on en demandait, puis ça faisait là... Faut que tu te choques. Puis là, oui, je vais en avoir, puis là, il, à la dernière minute, « Ah, ben là, on a un manque là, fait qu'on te la donne pas. » Et là, ça a comme... T'as pété ta coche. Là, ça a pété ma coche. C'était tout le temps la même histoire. C'était juste du pareil au même depuis jour 1. C'était fait le même cycle. Moi, je pensais que ça allait s'améliorer, mais là, quand j'ai vu, non, ça changera pas. C'est quasiment comme un abus, hein? Ouais, c'est la même affaire qu'une relation de couple abusive, même affaire. Fait que ta colère t'a fait fuir arrêter. Ah! C'est fini. Ta colère t'a sauvé. C'est ça. Fait que dans le fond, si tu réussis à reconnaître ta colère, parce que souvent, on la sent pas venir. Ouais. Puis là, on explose, puis là, on regrette. C'est ça. Ben, on regrette surtout de l'avoir extériorisé de cette façon-là. Mais si on l'apprend pour se donner de la force pour faire un changement, de la force pour faire une action concrète, puis se nommer nous de nous, pas garrocher notre venin. Hein, Non. On va juste blesser. Là. C'est ça. Mais de nous. C'est de quoi être productif avec c'est ça. Mais sauf que c'est conscient de tout ce qui est en dessous. C'est ça que tu fais dans tes retraites, j'imagine, de connecter. Surtout de sentir le parce que à l'intérieur il y a un espace où c'est tout le temps bien, c'est comme là il a ton âme. The calm before the storm, in the middle of the storm. Tu sais là dans un ouragan là. Oui. Dans le milieu tu peux être dans le milieu. C'est comme un nirvana. T'as la vague pour toi, la tour de Twin. C'est ça. Ouais. Même si c'est la grosse tempête autour, toi t'es comme bien intérieurement. Puis tu peux vivre des émotions pareilles là. J'observe l'émotion, puis tu sais, je pourrais pleurer, puis je pourrais vivre de la colère, mais en dedans, je me sens pas submergée. J'ai vu, mais je suis pas submergée, puis là, je suis perdue, puis je sais plus quoi faire, tu sais. Ouais. Mais pour arriver à sentir cet espace-là, puis t'assir dedans, puis d'être vraiment dans ton corps présent, tu sais, on a tellement été coupé de ça, on a tellement été forcé d'être dans notre temps. On valorise le corps physique, puis comment loin tu te rends avec le succès dans la vie, mais qu'est-ce qui valorise? Hey, elle a de l'air heureuse dans la vie, elle a de l'air centrée sur elle-même, elle reste calme, qu'est-ce qui valorise ça? Moi, je pense qu'il y a un changement qui va s'en venir, que ça devrait être ça, comment ton bien-être est plus important que ton succès. Puis même pour le corps physique, c'est quand même important. Moi, j'avais, pendant une certaine période, là, j'étais juste focussée sur émotionnel, psychologique. J'avais comme, je me suis dit, le corps, mais que j'allais mieux, il va aller mieux, qui est vrai, mais je l'avais comme mis de côté, là, complètement. Puis, éventuellement, quand j'ai fait comme, non, mais là, mon corps, c'est important, c'est ici, je suis dedans, tu sais. Mais je m'avais rendu compte que c'est comme si mes premiers traumas là, que j'ai vécu, là, c'était tellement souffrant quand j'étais jeune, parce que j'étais tellement hyper sensible. Moi, je me rappelle encore, j'avais 3 ans, mais j'ai des souvenirs. Puis j'étais juste comme une petite boule d'amour qui aimait tout le monde, puis faisait confiance à tout le monde. Fait mes premiers traumas, là, ça a assez fait mal que j'ai fait de la fuite d'être dans mon mental ou dans mes rêveries. Ouais. Puis j'habitais moins mon corps, j'étais pas comme vraiment... dans mon corps. Ancré, là. C'était comme si j'habitais de là en montant. Wow. Je chantais, tu sais, pour ainsi dire, je pouvais sentir ma jambe sur le dessus, si j'avais une douleur, mais je pouvais pas comme, je me sentais pas dans, je sais pas comment vous le décrire en mots, là, mais je me sentais pas dans mon corps. Je me sentais là. C'est l'imagination, là, toi. Ouais, j'étais comme là en montant, genre. Ben, c'est beaucoup ça que je pense qu'on est fait à focusser dessus. Ouais. Puis là, quand j'ai commencé à faire le processus inverse, de descendre dans mon corps, prendre soin de mes émotions, ben là, ça s'est plus établi, tu sais, ça s'est plus... Ouais, tu me feels plus grounded. Posé, ouais, c'est parce ça. Parce qu'avant, t'étais comme sunshine, mais c'est vrai que ton énergie t'a rappelé ici. C'est ça. Ouais, je me souviens de ça. Ouais. Puis là, c'est plus, tu sais, c'est grounded, apaisé. Ben, gars, ce qu'on est, là, sur le bord de la rivière. Tu sais, je vais filmer une petite...
si ça te dérange pas dans ton environnement. On pourrait y parler des heures. C'est tellement intéressant. Hey. Puis, dans le fond, moi, ce que je trouve, c'est que si les gens veulent apprendre à réapprendre à se connaître de toutes les façons, à connecter avec eux-mêmes, à aller dans le fond des choses, ils peuvent te contacter. Ouais, puis pas avoir peur des émotions aussi, parce que on a tout, surtout, j'ai remarqué encore plus les hommes, mais tout le monde a peur des émotions, on a peur de la souffrance émotionnelle. Ouais. Mais en fin de compte, parce qu'on résiste, c'est ça qui fait mal. Si on se laisse juste, tu sais, comme un enfant là, quand il y a de la peine, il braille sa vie, ça dure deux minutes, puis là, whoop, il passe à d'autres choses. Ça, c'est à peine là, il l'a vidé, il n'avait pas collé celle-là. Là. Ouf. Mais si tu dis braille pas, il n'a pas été au fond de son cycle. L'émotion, là, c'est juste un symptôme pour te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça rentre, ça sort, puis quand c'est sorti, c'est fini. Ça faut juste faire sa job de messager. Absolument. Mais si tu lui dis puis c'est pas fini, ça. Là, il vient d'en stocker un morceau. Puis à chaque fois que tu t'empêches, t'en restocques un morceau, puis t'en restocques un morceau, puis là, tu t'en mets des couches de protection, puis là, tu n'accumules rien. Au lieu de t'en drainer comme du monde. Avec les années, qu'est-ce qu'on a de collé sur nous autres, tu sais, peu importe. Puis Shelley, faut que je le dise, excusez-moi, parce que toute maladie avec elle, elle travaille avec les chiens. Puis les chiens, c'est pas hypocrite, là. C'est juste la réaction. Ça, mais attends, je veux dire, parce qu'on avait, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on avait été manger, j'ai la chance d'aller avec elle des fois. Puis on avait dit ça, elle dit, lui, là, ce chien-là, là, il veut pas jouer avec Casimir, mettons. Il commence pas à faire une grosse affaire avec ça. Mon chien, au lieu, il va voir un autre chien. C'est comme tout veut être, mon ami. Son estime n'a pas été affectée. C'est ça, l'estime. Parce que c'est un bon exemple. Tu sais, comme tu comprends ce que je dis? Il a pas resté collé avec elle, il a dit « il filme pas tout de suite », il a pas dit « j'ai-tu fait de quoi », il a pas overanalysé sur le moment, l'émotion, c'est ça, je vais m'en trouver un qui veut jouer. Mais nous autres, ça serait agent, c'est quoi son problème, elle là, quand... C'est quoi, quand là, moi, c'est quoi, gnignon, on commence à être paranoïde pis tout, là, comme humain, là. Il a changé sa nature d'être happy-go-lucky. Pis il y a aller à quelqu'un que tu connectes plus avec. Tu sais, je trouve assez ça. C'est toi et tout, que tu me dis, je trouve vos histoires sont... Ouais, parce que moi, je travaille dans le fond, c'est drôle. C'est drôle, comme qu'on était deux filles intellectuelles à l'école, puis moi je travaille avec les émotions, mais du côté canin, mais dans le fond, pour aider un chien, il faut que j'aide son humain, du côté émotionnel, parce que c'est la seule affaire qui file. Ils comprennent pas là, l'intellectuel, puis tout ça, puis toi tu travailles avec les émotions. Ça. Ouais, c'est, ça se rejoint. Ouais. No wonder qu'on a cliqué. On rap ça, Fait que dans le fond, c'est ça, Steph, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Oui, c'est vrai. Ben, pour l'instant, je suis en congé. Oui, okay. Mais mec, c'est prêt. J'ai une page Facebook personnelle, puis. Stéphanie Aubu. Puis docteur. C'est Stéphanie Aubu, MD, MD aussi. OK. Puis, j'ai une adresse courriel. C'est DRE pour docteur au féminin. On a Wow, we're Gmail, puis numéro de téléphone que je pourrais vous laisser, que vous mettrez. Puis si tu as un petit mot de la fin à juste dire au monde, un conseil, là. Ben, dans le fond, là. Un message. Moi, là, ma grosse leçon, j'ai cherché partout pour filer bien, puis dans le fond, j'avais juste à être moi-même, puis bien au moment présent. Puis, c'est tout le temps le même. C'est tout le temps le même message qu'on lit, mais on dirait qu'on a besoin de le vivre expérientiellement, mais plus on apprend à prendre des leçons des autres, puis de vraiment écouter, puis d'avoir l'humilité de prendre les leçons, pas de faire comme « ah ouais, ouais », puis qu'on pense qu'on sait mieux. Mm-hmm. Comme moi, il y avait... J'étais pas nécessairement arrogante pour rabaisser le monde, mais j'étais arrogante en pensant que je savais, moi je sais. Quand t'en sais trop, tu sais plus qu'est-ce que tu sais pas. On fait tout ça. Fait que, dans le fond, que c'est ça. Que si on s'écoute juste, qu'on se prend soin, qu'on répond à nos besoins, puis on se met en alignement avec nos valeurs, ben, tout se place, tout coule. C'est comme une descente de canot. Quand tu fais juste chiller, puis regarder la rivière, puis oh, il y a une roche là, un petit coup ici, t'enjoy, tu peux. T'as le temps de relaxer et de regarder le paysage. Mais si tu veux tout contrôler puis t'essayes d'aller à quelque part avec ta tête, mais le courant t'envoie pas dans la bonne place. Ouais. Ben, t'envoie dans la bonne place, mais toi, tu penses que l'autre place est meilleure, tu vas à contre-courant.
là tu te brûles, tu te fais mal, tu renverses, tout va pas bien. Puis t'as même pas le temps d'enjoyer le paysage puis la descente. Je trouve que c'est un parfait exemple, surtout que t'en fais une descente de canot bien vite avec un groupe. Que je vais aimer aller, mais en tout cas, on va se reprendre. Mais c'est juste pour dire que dans le fond, notre émission s'appelle True Colors, parce qu'on veut que le monde ait la permission de montrer de vraies couleurs, puis ça reflète avec. C'est pour ça que je voulais casser absolument sur l'émission, parce qu'elle reflète vraiment nos valeurs, parce qu'elle écoute ses valeurs. Puis je te remercie de t'avoir ouvert au monde aujourd'hui. C'est pas nécessairement évident de conter sa vie aux gens, puis son parcours, puis tout ça. Puis je te remercie pour tout ce que tu es comme personne, comme énergie. C'est wow. On m'a fait brailler, Sauvelle. Merci à vous autres de faire ça. C'est super beau. Puis ça donne, des outils aux gens qui vous écoutent. Puis, tu sais, il y en faut des gens qui. On s'en prend. C'est ça. Bon, on va wrap it up parce que ça fait comme genre une heure et trois. C'est pas qu'on dit stay tuned and show your true colors. Bye. 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 Non, c'est ça tes gros mots! Hey, hey, hey! Oh wow, ça j'aime ça. Regardez beau! Hey, la fraîcheur! Ah, c'est beau! Je t'aime pas, mais tu peux m'excuser. Ouais. Hey, ouais, quand moi je m'excite. Ah! Wow! Oh, beau boy! Ah, c'est pas me planter là, moi! Ouais, non, c'est un beau. Holy shit, que c'est beau. Oh, wow. C'est malade. T'as un peu, je vais regarder ce que. Oh my god. Wow. Oh. Tu veux te lander? On peut aller sur le bord. Ouais, j'ai vu un autre spot. Hein? Non, mais là-bas, ça, le chemin descend là-bas. Ah, mais tu es belle, t'as de la raison. Ouais, j'ai vu, elle m'a emmené ici. Comment c'est? Ça passe par là où on peut faire le tour de descente. J'ai des culottes courtes. Ça te prend un peu. Je veux savoir me griffer. Trop cute, là. On a un temps ici. Ah, moi, je dormirai à droite là. Ça va être que j'aime pas ici, là. C'est ça, j'ai le cerveau plein d'idées, mais. Oh, les petits papiers, c'est quoi ici, là? Toi, c'est quoi les idées qui te manquent? C'est ça. C'est les breaks de cerveau. On n'a pas trouvé ta switch off. Ah ouais. Allô? Ça, c'est la Kedgewick, là? Non, c'est la petite main. La petite main, elle descend. La Kedgewick, là, elle arrive de par là. OK. Puis ils se rejoignent comme pas trop loin. Quand les deux viennent, ça devient la Kedgewick. Oui. Il y a comme un Y. Là, on a cette branche-là, pour prendre cette. Mais c'est vraiment pas loin. La fusion. Ah, c'est beau. Ça a l'air.